Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache en format vlog. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, ma chaîne arrive tout doucement au cap des 1000 abonnés, hein, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de me suivre parce que ça commence à prendre une certaine ampleur, voilà, qui devient intéressante. Et pour fêter ça, enfin surtout pour permettre à l'algorithme de YouTube de bien correctement mettre ma chaîne en avant, parce que vous savez, à partir des 1000 abonnés, on a une chaîne qui prend un peu plus d'ampleur et que YouTube arrive à un peu plus mettre en avant. D'ailleurs, on commence aussi à gagner de l'argent accessoirement sur les publicités. Et donc mais pour que ça fonctionne bien, évidemment, il faut faire des vidéos plus régulièrement. Et donc j'ai plein de formats, voilà, sur la chaîne. Enfin, j'ai surtout les formats que j'ai démarré sur l'autonomie et le format... Attendez, parce qu'il y a le train qui va arriver là. Ça fait un petit peu de bruit. J'ai surtout les formats... Donc les formats que j'avais fait, une vidéo sur le radis, vous voyez, j'avais envie de faire plusieurs vidéos comme ça sur les légumes, sur différents légumes, et parler d'un légume pendant toute une vidéo. Mais bon, voilà, c'est un format qui me prend quand même beaucoup de temps, et que donc je ne sais pas publier régulièrement, voilà. D'ailleurs là, j'ai eu beaucoup d'empêchements ces derniers mois, et j'ai pas su en faire d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va arriver bientôt, il y aura la suite en tout cas sur la récolte des graines, des radis, qui va arriver très bientôt. Puisque je commence à avoir les petites cosses là que je vous avais montrées qui font des graines, voilà. Donc ça va arriver bientôt, mais du coup je me dis que je devrais, si je voulais que ma chaîne soit un petit peu plus en avant, commencer à faire des vidéos plus régulièrement, voilà. Et donc je vais me mettre à faire des petits vlogs ainsi, très faciles à tourner et qui demandent pas de montage ou peu de montage si j'en fais un petit peu. Et comme ça, ça me permettra de publier beaucoup plus régulièrement. Alors quel sera l'intérêt de ces vlogs, évidemment, parce qu'il faut que ce soit intéressant, sinon ça n'a pas d'intérêt, hein, tout simplement. Donc quel sera l'intérêt de ces vlogs? Eh bien, dans ces vlogs, je vais parler de l'autonomie de manière générale, hein, pas seulement pour ce qui est du potager, mais je vais parler de l'autonomie de manière générale, et essayer de suivre quand même une certaine ligne directrice avec l'autonomie. Et donc... je vais en parler, essayer de voir ce que ça implique en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour être autonome, qu'est-ce que ça implique d'être autonome, enfin toutes sortes de sujets liés à l'autonomie, sur des thèmes précis, par exemple sur la nourriture, sur l'eau, sur etc. Enfin voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît, mais voilà, dans tous les cas, je vais essayer de faire ça. Et du coup, ce sera une vidéo qui pourra sortir beaucoup plus régulièrement, peut-être toutes les semaines. Voire deux fois par semaine, voilà. Donc là sur ce, ben voilà, je vais pas rester là plus longtemps parce que je veux vraiment un format court de vidéo, et donc je vais m'arrêter là, et on se retrouvera donc pour la première vidéo de ce format, hein, complètement à l'arrache comme ça, lundi prochain. Ici je crois qu'on est, enfin on est jeudi, mais peut-être on sera vendredi si je la publie pas tout de suite pour vous. Mais voilà, donc lundi prochain, la première vidéo sortira sur ce format. Et donc je vous dis à lundi. À chaque fois ce sera comme ça, hein. À chaque fois je vais me balader, je vais faire une balade comme ça, ça me poussera aussi à sortir de chez moi et faire plus de marches. À chaque fois je vais faire une balade et vous parler comme ça, voilà. Donc à lundi.